Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé d'où Lewis Carroll, auteur de la célèbre Alice au Pays des Merveilles, tenait son imagination débordante, parfois même effrayante? Il est vrai que lorsqu'on est enfant, l'univers du célèbre auteur anglais nous paraît se rattacher à l'ordre de l'imaginaire et de l'irréel, quoique bizarre. Une reine qui fait peindre des roses, un lapin en retard, rien n'est inquiétant tant cela semble loufoque et irréel. Mais qu'en est-il vraiment? Voyons voir avec le cas du Chapelier Toqué. D'abord, un peu de contexte. Lewis Carroll publie la première version d'Alice en 1865, à l'heure où la Grande-Bretagne est encore la première puissance mondiale, avec notamment les industries de la métallurgie et du textile en tête des chiffres de rendement. Et justement, c'est cette dernière qui nous intéresse. En 1850, plus d'un million de personnes travaillent dans ce domaine, dont environ 440 000 dans le secteur plus précis de l'habillement, dont les chapeliers. Sur 20 millions de personnes habitant au Royaume-Uni à ce moment-là, ça fait quand même pas mal. Dans ce milieu, les conditions de travail sont très dures. Les ouvriers travaillent en moyenne 14 heures par jour, il n'y a pas de législation, ils subissent l'inhalation de vapeurs toxiques, et pour les conditions d'hygiène, on repassera pour les conditions d'hygiène. Mais il ne faut pas croire que les gens à cette époque étaient totalement ignorants. En 1850, un journaliste du nom de Henry Mayhew, qui faisait des reportages sur les quartiers pauvres de Londres, a fait éclater un scandale sur la condition des ouvriers. Mais et nos chapeliers alors? Eh bien ceux-ci subissaient souvent une intoxication au mercure qui était présent dans la feutrine, une étoffe très prisée pour la confection des chapeaux. Et en fait, cette intoxication porte un nom, l'érétisme mercuriel ou encore syndrome du chapelier fou. Comme on peut s'y attendre, il s'agit d'une maladie neurologique qui dérive de l'intoxication en question. Et les conséquences sont désastreuses. À savoir, timidité excessive, on parle ici de phobie sociale en fait, perte de confiance en soi, troubles du sommeil, délire et bien sûr des effets grandement nocifs sur le système immunitaire, le système nerveux, le système digestif, sans oublier les effets directs sur la peau, les poumons, les reins, les yeux. Vous l'aurez compris, ça détruit tout. D'ailleurs, la plupart des personnes présentes dans les hôpitaux psychiatriques, à cette époque ce qu'on appelait les asiles encore, venaient de l'industrie du textile. Je vous laisse deviner où finissaient les chapeliers donc. Et à ce propos, si vous relisez Alice au Pays des Merveilles, vous vous rendrez compte dans la scène du tribunal que le chapelier présente plusieurs de ses symptômes. Allez, une anecdote sympa pour finir. De nos jours, il y a de fortes chances pour que le mercure soit toujours présent dans les chapeaux qui sont datés entre 1820 et 1930. C'est-à-dire que si vous allez dans le Victoria and Albert Museum à Londres, vous trouverez les chapeaux derrière des vitrines, parce que c'est super dangereux. En ce qui concerne mon chapeau, pas de panique. Le mien ne contient pas de mercure, il est fait de carton, de mousse et de tissu que ma mère a cousu. Clairement, tout le mérite lui revient à elle. Vous remarquerez qu'en fait il est immense et qu'il tient très mal sur ma tête, voire même pas du tout. L'explication c'est qu'au moment où j'ai voulu le faire, eh bien, je me suis un peu emballée, un peu, sur la taille. Mais il est très beau. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé la vidéo, et en attendant, je vous dis à dans un mois et prenez soin de vous.